Ah, donc, Oui, toujours bah, belle. La toujours sape, chaud, c'est quoi. pas un secret pour toi, hein? Non, toujours, il n'y a pas de surprise ici. On dit même quand on ne te surprend pas. Non, Non, je ne toujours, surprends pas. t'es au taquet. On ne me surprend pas. On ne sait jamais. On ne sait pas qui est venu te voir pour dire. Et même voir son visage là-bas. Si tu viens voir là-bas, ma chérie, ou bien mon frère. Hé! Réseaux sociaux, là-même, là, ce n'est rien. On dit quoi? Si tu Ça parles parle à de quoi? 50, plus chic. Oui, Le chérie, sujet ça va. d'aujourd'hui, c'est quoi? Pour me trouver sujet, tu sais qu'il n'y a pas sujet. Moi, j'aime le sujet de. C'est que j'aime là, tu connais. C'est quoi? Ça, c'est que j'aime là. Mais c'est bon. C'est quoi? Demande à tes abonnés, n'ont pas donné le sujet. Salut. Bonsoir, Ah. aide-moi. De t'aider comment? Moi, mon sujet, c'est Comment j'ai d'engrais, besoin tout d'aide alors? ça. De t'aider comment? Dis-moi, de t'aider dans quoi? Ça dépend d'aide. Tu veux quoi? De t'aider comment, s'il te plaît? Oh, Kai, tu veux que je te fais monter? Ok, tapotez, s'il vous plaît. Comment faire business? Ok, comment faire business? Comment ça, ma chérie? Ok, t'es déjà monté. Hein? Viens, allons, allons. Kai, bonsoir. Comment faire business? Comment? Tu as quel projet? Parce que avant de se lancer dans un business, avant, selon moi, avant de se lancer dans un business, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire. D'accord? Avant de se lancer, tu dois savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Et là où tu te trouves, ça dépend aussi du business. Dans le pays où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves, qu'est-ce qui marche là-bas? Qu'est-ce qui est demandé le plus dans l'endroit où tu te trouves? Moi, aujourd'hui, je suis en France. J'ai ouvert un restaurant en France. Mais si je dois être en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que je serai dans la restauration. C'est pas sûr. On sait jamais. Entre guillemets, c'est pas sûr. En Côte d'Ivoire, ça serait plus différent qu'ici. Mais là, je suis en France. Pour moi, chacun a son choix. Là, je suis en France. J'ai aimé la restauration. J'ai aimé. J'ai voulu m'engager en tant que restauratrice. J'ai voulu m'engager dans la restauration. Mais j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais un magasin que je vendais que je vendais chaussures. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, je vendais chaussures. Je vendais les mèches. Voilà. Je vendais les mèches. Tout ce que les jeunes filles, que ce soit bijoux, parce que bijoux, sac à main, un peu de tout comme ça, sauf vêtements. Il n'y avait pas dans ma boutique. Mais je vendais les pagnes hollandais. Voilà un peu ce qui était dans ma boutique. Voilà. Je vendais les pagnes hollandais. Pas tous les pagnes, que hollandais. C'est ce que je vendais. Grand frère, ça va? Oui, ça va. Ok. Tu peux venir t'occuper du monsieur, s'il te Tu peux prendre la voiture. plaît. Quand un client se lève là, tu l'accueilles, d'accord? Comme ça, il est. Elle demande si ton restaurant est situé où. Peut-être elle est venue manger. Merci beaucoup. Tu vois, il ne voit pas les commentaires. Mes yeux là. Alors, tu vends quoi dans le restaurant? Le restaurant est situé où? Nous sommes dans le 18e arrondissement à Paris. Et le restaurant, c'est l'adresse du restaurant ESA. C'est au 117 rue. Championnet. Nous sommes au 117 rue Championnet, Paris, 18e, dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà un peu. Voilà. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça dépend. Aujourd'hui, là, ça dépend. Et aujourd'hui, là, il y a la vente en ligne aussi qui est là. Je pense bien. Je pense que ça doit marcher aussi, même. Et ce n'est pas trop. La vente en ligne. Tu as une page. Si ça marche, Tu vois? moi par exemple, je fais de la vente en ligne, Non, si ça tu fais va, de ça la vente marche en ligne, tu pas. es déjà connu, chérie. Ah, moi je suis connue, tu penses que c'est par rapport à ça? Oh ouais, ça dépend aussi de tout ça. D'accord, Je ne ok. sais pas trop, mais moi je me dis ça aussi. Je me dis D'accord. non que tu es déjà connu. Tu as déjà pas mal d'abonnés. Un petit D'accord? nom. Tu as déjà un petit nom offert sur les réseaux. Pas mal d'abonnés. Ça va aussi dépendre de tout ça. Hein. D'accord. Toi qui n'as pas assez d'abonnés, tu n'es pas connu, ça serait vu comme pour les autres, je ne sais pas. Je ne sais Non, on n'a pas. qu'à se lancer, hein. Après, un peu, nous tous, on a commencé un peu, tu vois. Ok, je ne sais pas. Donc, ou bien, où faut se mettre sur les forums?
de vendre. Merci ma belle, rentrez bien. T'as quel produit tu veux vendre, ma chérie? Elle dit où trouver les produits pour vendre. Moi, par exemple, elle est dans la restauration. Moi, je suis dans, on dit pratique, quoi là? Elle me blesse en français. C'est que si moi, je suis dans le traditionnel, tout ce qui est. Médicament indigénat traditionnel. Elle me blesse. Indigénat, c'est ça, non? Indigénat. Mon français, là, n'est plus trop. Ça va pas venir aggraver, pardon. Indigénat. Oui, à quoi? Oh! Et ça fait 4 ans que je fais ça. Franchement, papa, ça vient tout à l'heure. Franchement, quand tu as des clients, il y a des jours, j'ai pas de clients. Mais quand j'ai 2-3 clients, moi, ça me suffit. Moi, je n'ai pas beaucoup de clients. Voilà, moi, si j'ai eu 2 clients par jour, ça me suffit. Je ne suis pas trop gourmande. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il faut se mettre sur les forums. Il y a les forums. Il faut payer les blogueurs pour faire ta publicité aussi, pour te faire connaître. Si tu n'as pas les moyens pour payer les blogueurs, tu fais comment? Ah, c'est ça aussi. Ah oui, hein. Moi, je viens de commencer. Attends, chérie. Je viens de commencer un business. Mm-hmm. Je ne me vois pas en train de partir payer un blogueur pour lancer mon commerce. Je suis débutante. Mm-hmm. Je cherche à voir. Mm-hmm. Pas pour me mettre. En ce moment, je cherche. C'est compliqué. Je n'ai pas encore l'argent pour aller contacter des influenceurs pour faire ma pub. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas assez. J'ai déjà pris ce que j'ai ou bien ce que j'avais pour aller payer ce qu'il faut payer pour mon business. Tu comprends? Est-ce que j'ai l'argent pour aller voir les blogueurs ou les influenceurs? Je ne sais pas combien ils vont demander. Je ne sais pas, mais ça ne serait pas moins de 100 000 francs. Je ne pense pas. Si. Ça ne serait pas moins de 100 000 pour aller les voir pour... Mais quand ils font ta publicité, même ça ne marche pas. Moi, il y a déjà payé des influenceurs. Le plus petit somme qu'elle a payé, c'est 100 000. Sinon, elle a payé 200 000, 250. Au final, ça ne m'a rien rapporté. OK. Quand il dit que je n'ai aucune idée du produit, ma chérie, il faut d'abord avoir l'idée. C'est ça le plus difficile et c'est ça le plus important. Tu dois d'abord avoir l'idée. Moi, je suis venue en France, j'ai travaillé dans la restauration, j'étais serveuse. J'ai fait au moins 6 mois en tant que serveuse dans la restauration. D'accord? Voilà comment j'ai eu l'idée d'être aujourd'hui responsable d'un restaurant. J'ai travaillé, j'ai fait 6 mois en tant que serveuse. D'accord? C'était pas un truc que j'aimais avant de me lancer en tant que serveuse, c'est pas un truc que j'aimais. Je suis venue en France, c'était un truc que je n'avais pas le choix. Voilà comment ça a commencé. Je n'avais pas le choix. Je me suis lancée en tant que serveuse parce que je n'avais pas le choix. Et après j'ai commencé à aimer. Pourquoi j'aimais pas? Je vais vous dire ça vite fait. Je me disais non que c'est un métier qui n'est pas propre. Voilà ce que je pensais, chacun a sa manière de penser. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est un métier qui n'est pas propre. Comment c'est pas propre? Comment les hommes vont te courir après? Les hommes vont venir, tout le monde veut de toi. Tout le monde, on va penser que tu n'es pas une bonne personne. Mais j'ai commencé ce métier et je n'ai pas fait du tout ça. J'ai dit non. Parce que c'était ça qui était là. Donc, tous ceux qui venaient vers moi, je m'étais là pour dire non que c'est des personnes, tu es serveuse, on va profiter de toi. On veut abuser, on veut faire tant, donc ça fait que je n'aimais pas du tout. Et j'étais braquée comme ça. Mais après, au fur et à mesure, j'ai vu que quand on te drague là, c'est toi-même qui acceptes. C'est toi-même qui dis oui. Si tu ne veux pas, personne ne te force. Pour aller faire le Worosoya, si toi-même tu ne vas pas faire là, personne ne t'oblige à être éparpillé comme ça. Je reviens un peu à ce que tu dis. Ça, c'est au pays. Au pays, quand tu es serveuse, tu n'es pas respectée. Ça, c'est au pays. Mais chez nous aussi, c'est pareil. Hein, on voilà. Mais en Europe, ici, moi, par exemple, quand je suis arrivée, moi, j'ai fait la restauration aussi. En Europe, ici, que tu sois serveuse, oui, ça va, chérie. Serveuse, barman, tu es respectée par ton juste valeur. Donc, voilà, c'est une question de vouloir. Moi, par exemple, j'aime la communication. J'aime tout ce qui est... Moi, mon boulot que j'aime faire, je peux faire la restauration, serveuse, barman, vendeuse. Moi, j'aime le contact. Non, moi, il ne peut pas faire. C'est ce que j'aime. Je ne peux pas faire parce que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Exemple comme ça, il prend un exemple sur moi. J'étais serveuse dans un restaurant. En tant que serveuse dans ce restaurant,
les hommes ils viennent t'aborder, tu refuses. Parce que j'ai refusé à peu près, j'ai pas accepté avance de toutes les personnes qui venaient en tant que boucantier, en tant que temps, j'ai pas accepté, je voulais pas du tout. Parce que là c'était déjà, tu ne voulais pas. Oui. Mais il y a parmi ces personnes, tellement il y a un manque de respect total. Une personne qui veut te trouver en train de servir parce que tu as refusé ses avances, il te prend, il t'embrasse. Ça, c'est pas un manque de respect. Il te prend, il t'embrasse, mais je lui mets un coup de... Voilà. Je te mets un coup, hein. Ah, moi, je te mets un coup. Ah, voilà. Moi, je vais donner un exemple. Moi, où j'ai travaillé, moi, j'ai travaillé. Voilà, voilà. Non, attends, je reviens. Mm-hmm. Voilà, c'est un manque de respect. Non. Moi, je te mets un coup de... Ah, ok. En tant que quelqu'un qui vient d'arriver, parce que je venais d'arriver... Et tu as agi comment? J'ai que pleuré. Ouais, je te le jure. J'ai pleuré. Lyon n'est pas sorti. C'est pas sorti parce que tu n'as pas, ça vient pas là. Tu t'arrêtes là, tu j'ai que pleuré. Ça, c'est, il y a que des Africains qui peuvent faire des trucs comme ça. Voilà. Donc, manque de respect. Même manque de respect, ça se trouve ici. Coucou mon cœur, coucou. Bonsoir. C'est lui qui est à Nantes là, lui qui dit va me marier là. Ah, ça va? Mon beau frère. Moi, par exemple, moi, franchement, lorsque je suis arrivée ici, moi, je voulais travailler en tant qu'une vendeuse. On m'a demandé des diplômes, j'ai fait mon CV, blablabla, blablabla. Donc, on m'a pistonné. M'a pistonné dans la restauration. J'étais barman. On m'a formé en une semaine et je savais faire cocktail. Parce que moi, je suis un peu zigueï, tu vois. Et ça arrivait qu'il y a des clients qui viennent, qui me... Il était fine, hein? Il n'avait pas d'enfant. Il était bien fine encore. En tout cas, les cédois, là, c'était leur goût. Quand ils viennent comme ça, là, c'est champagne. Moi, ils ne boivent pas. Là-bas, c'est interdit, on ne boit pas. Mais on accepte. Et puis, on nous sert. Quand on nous sert, là, à chaque fois, nous, on renverse. On n'a pas le droit de boire. Mais pour moi, faire... ils ne boivent pas du tout. Voilà. Pour faire rentrer l'argent, on est obligé de... 9 ans, c'est ça. Ça fait 9 ans. Depuis 2015, je suis en France. Ça fait 9 ans. Je suis en France depuis 2015. Depuis août-juillet 2015. Je suis arrivé un mois plus tard. J'ai fêté mon anniversaire en août. Non, ça fait depuis 2015, je suis en France. C'est super. Donc, ça fait que moi, et puis le boulot, c'est qui me plaît en tant que barman serveuse. Quand tu connais ton travail, tu as les vrais pourboires. Moi, je pouvais descendre les 100 euros, les 60 euros, les dollars. Des fois, c'est les dollars. Des fois, c'est l'argent de les Anglais. Jusqu'à aujourd'hui même, j'ai encore même des différents billets de pourboire. Franchement, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis dans le foyer, je ne peux plus. Hein. Sinon, s'il y a un boulot, Edouard refaire, c'est ça. Barman. Non, moi, je ne peux pas faire. Chez les Whitey, on te respecte, hein, ma chérie. Ah, donc non, j'aime pas. Moi, j'ai travaillé chez les Whitey, pas chez les Noirs. Vous savez que moi, j'ai un problème. Le milieu même de blanc-blanc, je ne suis pas trop... J'aime pas. Ah, moi, je suis trop en l'aise. Ils sont trop vrais. Ouais, je ne suis pas trop... Je suis pas... Ah, moi, j'aime pas me mélanger avec eux. Je suis suivie par tout le monde, mais je suis vraiment désolée. Moi, je suis trop noire. Trop noire. Je suis trop noire. Ça veut dire, même homme blanc ne m'intéresse pas. Je suis trop, même qu'un garçon qui est clair, il n'aime pas. Je suis trop noire. Je suis noire, au fait. Donc, voilà un peu. Attends, moi, si ça refait de même, quand si on dit d'aller travailler là, j'adore être maman. Franchement, c'est chic. Tu fais les cocktails, tac, 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 les gens, ah non, c'est trop, tu es derrière le bar en fait, tu comprends? Et c'est toi qui mènes la danse, c'est toi qui fais les cocktails, c'est toi qui sais. Non, c'est trop chic, c'est, je me suis régalée tapoté, lorsque... Tapoté. Je me suis vraiment régalée, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, je me suis vraiment régalée en tant qu'une barman. Ouais, mais je suis claire, mais j'aime pas un garçon clair. Ah, je suis claire, mais j'aime pas un garçon. C'est trop chic. C'est ça, c'est mon choix. Je suis claire, mais je n'aime pas les hommes clairs. Elle n'aime pas les hommes clairs. Moi, par exemple. Merci. Moi, par exemple, j'aime tout le monde. Moi, j'aime blanc, japonaise, peu importe. Faut me dire. Et japonais, c'est encore grave. Pourquoi japonais? Moi, j'aime tout le monde, même chinois. Moi, je peux me marier un chinois, s'il me plaît. Non, moi, c'est ça qui est bizarre. Moi, je n'ai pas de... Même indien, s'il me plaît, il peut le marier. Non. Indien, moi, ça dépend. Il y a des indiens, on ne sait pas. Parce qu'il y a les indiens qui sont noirs, qui sont bien... Tu veux toujours noir. Moi, j'aime tout. Je n'ai pas de préférence. Tu as vu? Elle est comme moi. Moi, je n'ai pas de préférence. Moi, il y a des gens, même, il y a les regards, il dit, mais lui, là, en temps normal, moi, j'aime les gens grands, costauds, musclés, mais ça ne veut rien dire. Non.
Moi, c'est que me, c'est un homme qui me séduit le plus, c'est un garçon qui est noir. Ça, c'est waouh. Même quand il n'est pas beau, le plus important, il n'a qu'à être noir. Attends, ta serveuse là, elle pouvait pas attendre. Hein. Elle pouvait pas attendre. J'ai arrêté maintenant de te localiser. En tant que causé, elle vient dévoiler tout par. La Camille, quand il dit qu'elle aussi, elle aime tout. Voilà, mais moi, hey, mon choix, elle n'aime pas clair. Moi, bon, j'aime tout. J'aime les noirs. Hein. Voilà Michel de Dieu qui dit qu'elle aime les noirs. Donne-moi les couverts, s'il te plaît. Moi, j'aime tout le monde. Noir, oh. Moi, je n'ai pas de préférence. Tu es noir, oh. Mais je n'aime pas garçon coué. Je n'aime pas quand il est noir. Aime quand mon frère est noir. Ah, moi, il est comment? Dis-moi. Moi, par exemple. Après, il est comment? Dis-moi. Il est garçon des petits, là, il n'aime pas. Coucou. Coucou, LG. On demande si tu as les. Demande si tu as des maisons meublées pour des gens qui sont de passage. Les appartements meublés là. Y a quelqu'un qui. S'il y a des personnes qui veulent quoi. Oui, non, toi, par exemple, si tu as des maisons meublées que tu mets en location, c'est ce qu'elle demande en France ici. Ah, tu demandes si tu connais des personnes qui ont des maisons meublées. Dis-toi, Tchana, par son commentaire, oui. Elle demande si, en plus de ton restaurant, est-ce non, moi, que... j'ai pas. Moi, j'ai pas. Voilà, est-ce que tu as les appartements? Voilà, non. Elle dit, tu non, as non. Un appartement meublé pour des personnes qui sont de passage. Non, moi, j'ai pas. Non. Ah, voilà, elle n'a pas. J'ai pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas de goût, mais je n'aime pas garçon court. Je n'ai... Par exemple, il fait 1m73. Donc, moi, je ne veux pas marcher avec quelqu'un. Il te dépasse là, ça seulement, il ne veut pas. Moi, c'est la taille qui est le problème. La taille, et je n'aime pas les garçons fleque-fleque. Quand il est trop fleque-fleque, mais garçon skinny là, non, il ne veut pas ça. Non, les garçons aussi sont skinny, non, il n'aime pas. Voilà. Donc, voilà mes principes. Je n'aime pas garçon skinny. Il dit noir mon combat. Ah, moi j'aime tout le monde. Mais si vous voulez monter, mettez les cadeaux et puis vous montez. C'est comme ça. Moi fait. J'aime tout le monde. Vous tapotez, mettez les cadeaux, vous les tapotez, vous voulez monter. Et puis moi c'est une évidence que je marie un blanc. Parce que j'adore les blancs. Pour de vrai, j'adore les blancs. Garçon skinny, ils sont combat. C'est qu'elle là. Comment tu sais? Toi tu veux magie ou quoi? MK. Elle dit garçon skinny son combat, c'est qu'elle est à Poutou. Tu sais qu'elle est à Poutou, les garçons. Non, moi, elle fait des formes, je sais pas, je m'en fous. Tu t'en fous, même s'il a gros ventre. Je m'en fous de formes. Ah non. Moi, garçon qui a gros ventre, non, il est. Non, pas. Je m'en fous, de formes. Voilà, il fait tout pour ne pas avoir gros ventre. Un garçon qui a gros ventre, on va faire le sport comment? Ventre là-bas, me contrecaler. Je suis à Poutou. Ah, qui dit qu'elle est à Poutou? Ah, elle savait. Quand tu vois quelqu'un dit que skinny mon combat, c'est pas elle à Poutou. C'est prendre un Poutou. Dès à Poutou dans le lit, ça a chauffé. Je comprends pourquoi tu aimes garçon skinny pour compléter. C'est normal, c'est logique. Moi, par exemple, moi, en tout cas, je n'ai pas gros ventre. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile aussi d'avoir les garçons qui ont gros ventre. C'est difficile, hein. Ah, les gens commencent à prendre soin, oui. Les gens se laissent pas. Non. Je vois que c'est... Non, même c'est... nous, on les voit femmes, on se laisse pas. Et même nous, les femmes, on se bat aussi pour ne pas avoir gros ventre. Je vois râlement. Moi, quand j'étais jeune fille, les petits que j'avais un gros ventre parce que je mangeais au hasard. Tu vois qu'on mange au hasard. Quand je vendais au marché de Le Codro à Yopouk, par exemple, je peux manger à 18h. Je mange à 19h. C'est que si clacro passe, on paye. Salade passe, on paye. C'est que si on est au marché, on mange seulement. Voilà, vendre devant ton direct enceinte. Miracle de Dieu, toi ton style de gars c'est quoi? C'est Apoutou bien, c'est skinny aussi. Il n'y a rien de plus beau quand tu marches avec un garçon qui est arrêté là. C'est trop. Non, le costaud, Jean. Ton poitrine est dégagée d'une manière là. Oh non, ça peut me tuer. Il y a elle aussi. Non, mon Ness, il y avait un Ness là. Il n'aime pas les histoires de S là, il n'aime pas. Je m'en fous. Il y avait mon S là. Non. On dirait un catcheur. Il dit le gars là. C'est un blanc, hein. C'était pas un noir. Il n'aime pas. Le monsieur là. Il peut les dégager. Il dit, quand il vient comme ça, le vigile veut faire Jean. Quand il fait quoi? Le vigile dit, ma soeur, tu es parti sur lui là-haut. On est un catcheur. Non, le gars était dégagé. Elle va me tuer. On dit ton nez en train de t'écrire. Non, il ne peut pas m'écrire. Allez là. Il est marié, il a 3 enfants, il a une fille, un garçon. Il adore ses jumelles. On s'est quitté il y a 20 ans, donc il ne peut pas. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Waouh. Ouais.
Ça, tu parles de lui encore. Tiens, toi, tu es faute quand même. Non, c'est qui m'a. Non, c'était parmi, mais. Hier, le gars était lancé. Yeux bleus. Non, il était beau, il était beau. Il faudrait juste. Blanc, là. Oui, blanc. Tu te montres sa photo un jour. Oui, il y a tout montré. T'es un blanc. Photo. Oui. Quoi, t'es blanche, hein? Ah, il était trop lancé, le mec. On a fait des trucs. S. Hey, S. La reine souffre. S de la reine souffre des. Attends. Affaire des S. Il n'aime pas parler des S. Pourquoi tu n'aimes pas? Voilà, ah, il est même là. Tu vois, c'est lui qui est là, tu le vois. Oh, enlève le monsieur. Ah, va tranquille, ça va la plus belle. Tu as vu comment il est costaud, non? Enlève le monsieur, oh. C'est avant hier, il me promenait, non? Et puis, il a vu nos photos dans tout, et puis, il a fait photo. Il est rentré à ton beau ici. Il est assis, il t'amuse, là. Il a appelé mon air avec tes dents. Merci, puis, le miracle. Et puis, il fait comme ça, tu es normal. Il dit, oui, c'est normal. Merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de S. Mm-hmm. C'est que je n'ai pas de NS où il n'y a pas longtemps. Mais SS. Ça dépend ce qu'il a fait dans ma vie, ma chérie. Quel que soit ce qu'il a fait, moi, je n'aime pas parler de S. Tu n'aimes pas parler de S. Je n'aime pas. C'est passé quoi? C'est passé, c'est passé. Même qu'il y en a oublié. Si tu vois qu'il parle de lui là, c'est vrai qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Non, non, non. Quelque chose que tu as fait, il n'aime pas parler de S. Il n'aime pas. Moi je prends. C'est, peut-être que c'est d'être ingrate, mais j'assume. C'est ton choix. Mmh, j'assume. Si tu m'as manqué, mon Dieu, marqué, non. Si tu m'as marqué dans ma vie. Ça me dérange pas de parler de toi. Moi, je parle pas de toi. Voilà mon homme qui m'a fait le magasin avant que j'arrive en France. Je vais même pas parler de lui. Quelqu'un qui est égoïste, il doit parler de lui. Non. On peut dire ingrate même, mais je veux mais pas. Tu es ingrate. Quelqu'un qui a fait un magasin pour toi, tu parles pas de lui. Je veux pas parler de lui. Je veux pas même. Oh, tu veux faire des ingrates. On va se séparer en parlant, ben non. Je suis venu en France sans lui dire, mais je veux même pas parler de lui. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne veux même pas le voir. Il n'est jamais vu. Il y a Coco Chanel. Coco Chanel dit quoi? Ma soeur, toi aussi, a fait de Clofour. Clofien là aussi. De... Clofien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit mon affaire est blanc là, c'est trop. C'est ce que ça veut dire. Anani. C'est pas juste les erreurs du passé. C'est pas S, c'est juste les erreurs du passé. Non, c'est pas les erreurs, c'est trop dit ça. C'est pas S, c'est juste les erreurs de. Non. Non, non, c'est trop beau. C'est des S. Des erreurs de passé, c'est des S. C'est pas des erreurs, hein, parce qu'on a passé des bons moments ensemble. Moi, je n'ai pas connu beaucoup de S. Hein. Moi, mais dans tout cela, il n'y a que deux S, tu vois. On a passé des bons moments ensemble, donc... lui, là et moi, on a fait des voyages ensemble. En tout moment, il voyage, il ferme le magasin, il le suit dans ses voyages. Mm-hmm. Il a fait mon magasin pour me donner, il m'a donné beaucoup de millions. Et malgré ça, tu ne parles pas non, de... Non, je ne vais pas parler de... Non, c'est... Je veux pas, ça, on appelle ça de l'ingratitude. Non, mais c'est du passé. Il a sa vie, j'ai ma vie. Oui, mais tu peux parler de lui, ça fait non, rien. Non, je ne veux pas. Parce que toujours, il veut toujours tes mougous. Imagine, je donne un exemple. C'est des gens qui veulent toujours tes mougous. Ok, je te donne un exemple, MK. Parmi tes élèves... Merci. Parmi bonsoir, tes mon bébé MK. Bonsoir, William. Parmi tes élèves, là... Est-ce qu'il y a un que, si vous voyez aujourd'hui là, quelque chose va se passer? Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a un, tu sais que c'est une évidence, quand vous allez vous voir, genre, tu es parti dans une boîte de nuit, tu es seul, lui il est seul, et puis vous voyez là-bas comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dégagé? Je ne vois pas, parce que quand je suis dans une relation, je suis sincère dans ma relation. J'ai dit si tu es célibataire. Oui, je suis sincère dans ma relation. Si tu es célibataire. Je vais venir là où tu me poses la question. Je suis vrai dans la relation. Je l'aime. J'aime la personne beaucoup. C'est sincère. C'est vraiment sincère, sincère. Donc, quand je te quitte là, dis-toi qu'il ne peut plus jamais rien se passer. Si j'ai pris ma décision ou je me suis séparée de toi, plus jamais je veux encore. D'accord. Ça vient pas, ça vient pas. On se voit ensemble. Et là, comme ça, il est mon frère en même temps, mon S. C'est mon frère en même temps, mon S. Lui et moi, même quand il va à Abidjan, on peut se coucher sur le même lit. Lui-même, il est étonné. Il ne veut plus de lui. Il veut même me marier.
On peut se coucher sur le même lit. Mais lui, il tente de te toucher. Je pense que tu l'as vu ou pas. Ali, tu l'as pas vu? Ah, où on a, lui qui est venu, puis on a mangé ensemble, là. Oui, il a, comme on appelle, là, il a sa range, là. Oui, où on a mangé ensemble. Oui, mais moi, on peut se coucher sur le même lit, mais je veux plus de lui. D'accord. On s'est couché même sur le même lit même. Et ceux allés dormir, ils allaient chauffer. Lui, il allait chauffer à Makori là, parce qu'il habite à Makori. Ils allaient chauffer à Makori. Ils allaient dormir chez lui, mais on a dormi sur le même lit, il a dormi avec moi. Mais lui, il veut. Lui, il veut toujours. Tu as construit les S. Tu fais erreur, il tape, il met les dents. Ok. C'est parce que tu bois. Tu sais pourquoi il n'a pas pu? C'est parce que tu bois pas. Non, il boit pas. Et ça, il dit, c'est parce que tu ne bois pas. Ah, non, c'est pourquoi il n'a jamais boit. Voilà, c'est comme ça. Parce que si tu buvais là, tu es un peu, tu vois, non? Ouais, tu es un peu, et puis le gars a dit, oh, c'est, tu vois, non? Il n'a jamais boit. Tes yeux sont clairs. Non, je comprends. C'est qu'il n'a jamais boit. Si ça vous boit, tout le monde va m'amuser dans moi. Non, si c'est ça, là, seulement là. Moi, j'ai un nez, je ne vais pas le croiser, en tout cas. Moi, je ne vais pas le croiser. Tu n'as pas envie de le croiser, ça c'est clair. Ah, d'accord. Et notre histoire est restée suspendue en haut. Hein? Oui. Donc, il essaie que le juif va me voir. Le juif, elle le voit là. Elle dit, ah, la reine. Il est aussi, elle dit, la reine. C'est des erreurs du passé. Je suis au restaurant Table des Stars, au 117 rue Championnet, Paris 18. Non, il y a des S, hein. Des fois tu es assis. C'est le monsieur qui nous a envoyé en photo là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est qui ça? Elle parle de moi. Oui, c'est toi qui as envoyé photo, non? Non, mais elle est toujours frère. Ma copine m'a envoyé photo de lui 2 jours là. Le gars là, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas de lui, il parle. C'est pas lui. C'est pas lui là. Lui là, si il veut là, même demain. Ah, non, j'aime pas de piment là. Il va mettre dans ma sauce un peu. Lui là, il est à Abidjan. Allez là, c'est... Il est à Abidjan. Il a fait un travail. Il est à Abidjan. Allez là. C'est pas lui. Et là, les papachari, c'est le monsieur qu'on a vu. Il essaie de ne pas faire quoi. Capture de photos. C'est pas lui. Voilà, est-ce de l'arrêt? Le pro, ils vont le. Moi, je suis dit ça. De quand il passe là, c'est pourquoi quand il passe, il veut pas tes appels. Il veut pas. Nous, on se voit, bonjour, il n'y a pas de problème. Bonjour, ça va. Mais on va s'appeler, il va t'appeler. Non, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a même pas t'appeler. Mais si tu m'appelles, il répond. Mais il ne serait pas trop. Des fois, tu finis avec ton S, non? Tu sais, ça, il y a beaucoup de choses. Ils ont tourné, chacun a fait son foyer. Et puis, ils sont allés se retrouver encore. C'est la volonté de Dieu, mais il ne voit pas. C'est la volonté de Dieu, mais il ne voit pas. Il ne voit pas S où est tourné jusqu'à être dans son foyer. Parce qu'au fur et à mesure, il faut grimper là, faut grimper. Ah, moi j'ai un S là, c'est un cavier. Faut grimper, moi il veut pas. Il y a un S cavier là, s'il revient dans ma vie, récambolais digne d'un film et que mon foyer est penché, c'est un debout de ma chérie. Il y a 3 fois debout, il dit, il te donne ça. Mais si le debout, il veut plus. C'est mon S. C'est ton S, hein? Il veut plus. Ah oh. Ça dépend de quel S, ma chérie. Il y a S, même tu le laisses et puis ça est dans ta gorge. Non, pour moi, il n'y a pas. Ah, ok. Les deux balles. Les dit quoi? Les deux balles d'âme. J'espère que ça va. Ça va très bien. Oui, ça va très bien par la grâce. On entend de causer, non, pour passer du temps. Tu vois, des fois, il parle de mes aides devant le tombeau, mais il me regarde et puis il rit. Moi, il ne parle pas de ça, là. Il n'aime pas. Non, moi, il parle de mes aides devant toi. Quand il m'énerve comme ça. Mon S même là, il faisait pas ça. Quand il veut le nerver là, il dit va chez ton S alors. Il dit ok, y a pas de problème, il m'en va. Même quand tu es vraiment très belle, il y a Dieu dans ta vie et Dieu continue. Merci beaucoup, Lilian. Ah, voilà quelqu'un qui dit son S est dans sa gorge. Il t'a dit il y a des S là. Quelqu'un qui dit quoi? Il dit son S est dans sa gorge. Aïe. Il y a des S là, ça est dans ta gorge. Non. Ça est dans toi, ta gorge. Non, ce n'est pas dans ma gorge. Moi, je ne vois pas S qui est dans ma gorge. Il ne voit pas, franchement, il ne voit pas. C'est moi, je quitte. Parmi mes S, là, c'est moi, il est tous quittés. Il n'y a personne qui m'a quitté. Donc, comme j'ai dit, si il tourne, qu'il y a un S. C'est ça, il te dit là, il y a un S. En tout cas, il est debout. Si jamais lui et moi, on se croit dans notre vie là, et qu'il dit, il regrette. En tout cas, il est debout. Attends, j'entends pas.
Oui. Mon cher, on fait des S. D'accord. Mais c'est un sol, hein. Parmi tous, c'est un sol S que je dis si jamais. Si jamais. Ben, là, il est devenu. Ouais, non. Il est d'un niveau. Il est d'un niveau. Moi, mais il dit, yeah, pourquoi tu as laissé ça? Il ne savait pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Ah bon? Ah non, il a grimpé. Il ne savait pas qu'il allait arriver là-bas. Ah, il ne savait pas. Oui, il est allé là. Yeah, tiens. Même, il est mieux payé que Macron. Elle dit. Il est dans ta gauche. Oui, c'est sa poche qui fait qu'il est dans ma gauche. Sa poche. C'est pas lui-même. C'est ton nom, c'est Yeblé. On ne sait jamais. Non, pour moi, il n'y a pas. Mais la vie aussi, on ne sait jamais vraiment. Mais pour moi, sinon, il n'y a pas. Il ne voit pas. On ne sait jamais. Ah, vraiment. Ça est dans ma gauche. Son portefeuille est dans ma gauche. Pour dire vrai. Vous aimez la causerie comme ça? Après, portefeuille, là, il faut les sentiments. Quand les sentiments là, pas la paix, ça serait juste un mouvement. Non, lui, ça peut venir. Il est mal beau. Ça peut venir. Mon bras. Je l'appelais mon cachet. Pour lui, là, ça peut venir. Moi, je garde toujours. Ah, voilà, il y a Bré qui dit. Elle garde toujours un côté. Ma chérie, tu as raison, on n'en sait jamais. Elle peut glisser. Elle dit, moi, elle est zèle, ça vaut le temps qu'elle, on n'en sait jamais. Tant que ce n'est pas bien fini, vous pouvez relancer. Fini, on peut relancer. Mais si c'est bien fini, chacun arrête de chercher. Ouais, c'est bien fini. Merci, miracle de Dieu. Mais oui, ça ne sert à rien de faire Jean-Jean. Hein. Il faut être vrai dans la vie. Ça ne sert à rien de se donner aux gens. La reine. Sincèrement dit, elle est très vraie. Voilà, ça ne sert à rien de me donner un Jean-Jean devant vous. En tout cas, lui là seulement, là. S'il a fait erreur de tomber sur ma route, tombeau va l'île. Moi, je n'étais pas des millions d'euros par mois. Même si tu n'es pas fan. Je l'ai aimé une fois. Donc, moi, tous mes S, là, il n'y a pas garçon que moi, je n'ai pas aimé, puis il est gré. Il n'y en a pas. Non, mais tu n'es plus fan. Tu as aimé une fois, mais tu n'es plus. Non, mais quand tu as aimé, là, MK, quand tu as aimé, et puis vous avez eu une histoire. MK, tu es là. Quand tu as aimé quelqu'un, vous avez passé des bons moments, tu vois. Hein? Vous avez passé des bons moments et puis il y a eu des trucs de la vie, vous êtes séparés, tu comprends? Et chacun est parti avec une bonne image de l'autre. Si vous vous revoyez là, l'amour là va revenir. Tu l'as aimé une fois? Oui. Maintenant, il y a des aises, peut-être, c'est pas, s'il n'y a pas amour, vous avez fait comme ça. Mais au point des aises, il y a eu une histoire d'amour. J'ai fait 3 ans avec lui, ma chérie. On a fait 3 ans ensemble. Beaucoup. Le beau est dans le live. Tu parles de qui, moi ou bien? Je parle là. Non, pas TikTok. Tu parles de moi ou bien MK? Moi, mon mari ne fait pas TikTok. Oui, il est là, il est concentré. Il n'a même pas TikTok. Il est concentré sur son travail. Et puis, s'il est dans le live là, devant lui, il parle. MK est là. Devant lui, il parle pas. Il me connaît où? Devant lui, il fait pire que ça. Il a si, mais regarde. Il sait qu'elle est folle. C'est ça, il aime. Dans la vie, il faut être vrai. La reine, elle est comme ça. Des fois, il n'est pas là. Des fois, il est là et puis il parle comme ça. Il me regarde. Il va dire quoi? C'est mon passé. Et puis, s'il ne fait pas bien que quelqu'un qui aille le laisser pour le prendre là, il retourne là-bas. Ouais, mauvais qui est dedans là. C'est un blanc, oui. Il a dit c'est un blanc qui peut supporter. C'est un blanc qui peut supporter ça là. Il la voit venir. Si c'est quoi, il y a longtemps, il a déplacé Macho. Il vit dans ma maison. Dans ma maison, tu parles de ton S. Les garçons africains, là, soyez. Ouais, les garçons africains, ils sont violents. Hein. Bon, dans ma maison, il dit même pas dans notre maison. Hein. Dans ma maison. Dans ma maison, tu viens parler de ton S. Dans ma maison, dans notre maison. Donc, c'est un peu ça, quoi. En tout cas, ce S-là, que Dieu fasse que ça reste comme ça. Dans ma maison, tu parles de ton S. Mmh. Et puis, souvent, même la lui-même, il parle de son S. Hein. Et tu le coupes. Hein. Et puis tu oublies. Mais t'as, quand tu commences pour toi, c'est là qu'il te dit dans ma et maison. Tu l'écoutes, hein? Oui, oui, oui. Des fois, il dit, ah, tu sais, avant de te croiser, la fille qui est croisée là. Et il ne faut pas dire ça dès ma copine. Après, ça dépend. Hein, la nouvelle génération, je pense qu'ils sont un peu civilisés. Oh, c'est un gaou. Non, il n'est pas gaou. Non, il dit un black. Il veut dire que les blacks, c'est les gaou, quoi. Black, c'est noir. Ah. Je sais, il dit non, c'est pas tout. Il y a la nouvelle génération qui comprend les choses. Hein. Mmh. Mmh. Mais c'est pas avec gaou.
Mais quand tu te mets avec quelqu'un pour de sérieux, moi je pense que le minimum... Je n'ai pas ouvert d'esprit. Voilà. MK, pour moi, hein, quand tu te mets avec quelqu'un, le minimum, il faut que tu lui expliques un peu ton passé. Parce qu'au moins, on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir dire que tu as eu un passé comme ça. Au moins, s'il sait un peu là. Quand quelqu'un va venir dire, ah, ma femme m'a déjà dit. Tu comprends? Moi, c'est comme ça qu'il voit les choses. Moi, en tout cas, mes S, mon chéri, il connaît tous mes S. Il les a tous montrés. Mmh. Oui, il les a vus en photo. Mmh. Je connais tous. Moi, pour moi, il n'existe plus. Donc, il ne peut pas lui parler de lui. Ah, ok. Il y a des S qui sont bien gentils. Bien sûr, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie. Moi, non, moi. Si demain, il y a tout du bois, je vais à Abidjan MK. Hein? Mon S qui était pas là, il appelle, je n'ai rien. Il dit, hey, je suis fauché. Il sait qu'il va venir. Il va venir là. Il va venir, mais là. Si tu me vois parler de un gars, parce que pas, si tu me vois parler d'un gars, ça veut dire que ce n'est pas mon S. Ça veut dire que je veux toujours. Si il vient là, il y a. Mais si il parle, pourquoi il parle de lui? Si il parle de lui. C'est ça, oh, il y a deux, c'est ça. Mais un là, si c'est que si je l'appelle, il va venir. Aïe, on dit que ton ex est décédé. Quelqu'un dit que son âme se repose en paix. Quand tu as dit qu'il n'existe plus là. C'est mieux. Il est décédé. Non, il n'est pas décédé. Elle dit que pour elle, c'est fini quoi. C'est fini. Mais tu sais, il n'est pas décédé dans mon monde. Il est décédé même. Celui qui est en noir, je croyais que c'est un homme. Il s'appelle comment? Sylvain, le belge. Je suis un homme, oh. Viens. C'est pas toi. Viens, il n'a qu'à venir. Je suis un homme, il n'a qu'à venir. Il faut venir, frère. Frère, ça vient. Ça va, c'est homme, viens te montrer mon côté. Je n'ai pas de vous, ça. Vous parlez. Quand on fait les laisser, ils aiment ça, on entend qu'on est chiche. Viens te montrer mon côté garçon, là. Rentre dans mon profil, ça va, c'est garçon. Je suis garçon, viens. Prends rendez-vous à moi, viens te montrer mon côté garçon. C'est normal, c'est ma beau papa. Hein. Moi, je suis photocopie de mon père. Donc, je suis. Commenter comme ça, là, c'est pas marqué ça. Non, il a déjà insulté même les gens dans le truc. C'est quelqu'un qui a une mauvaise foi. Tu vois. Faut les laisser, il s'ennuie dans sa vie. Allez là, il neige. Il n'a pas go pour Mougou. Donc oui, il est là, il faut qu'il vienne mettre des mauvais commentaires. Tata est maillot à sauce graine. Ce soir, il m'a checké. Il a fait à checker et puis dorade. Ne le reprenez pas, il est bloqué. Ah. On a mis même presque même ma vie noire là. Pour toi, il y a truc, pour moi, il y a rien. Ouais, pour moi, il y a fermeture. J'en ai plein. Ça sauve un temps de nivelles là, ça sauve. Moi, il y a rien. Tant de nivelles là, ça sauve. Voilà. Faut même pas le calculer, faut le laisser. Lui, il est là, il a froid. Il a froid. Non, oui, il est là, il fallait qu'il vienne, mais. Qu'est-ce que je voulais dire, même? On a qu'à aller se promener, c'est pas au soleil, non? Soleil ou dans la neige, là? Non, pas ici. En vacances. Au Maroc, combien? Il y a un soleil à lui, au Maroc. Et il y a soleil, il faut que je regarde. Hein. Bon, on va en Afrique, on va au Sénégal. Tu es déjà parti au Sénégal? C'est pas mal le Sénégal. Sénégal est un truc intéressant. Hein? Oui, on parle. Moi, je connais. La ville est un peu chère là-bas, c'est chic là-bas. Oui, on va aller à Mermoz. Mermoz, Sali, c'est chez les caviar. Oui, le Sénégal est chic. Hein? Mon grand frère adoptif, il va me mettre en contact avec sa famille là-bas. D'accord. Il neige aujourd'hui, il fait très froid même. Il fait froid. Il y a Il fait froid même. Oh, Dieu la laisse tomber. Demain aussi, il paraît qu'il va neiger. Le parasol est tombé. Mon parasol est tombé, mais tiens, il fait trop froid. Il ne sort pas dehors là-bas. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Et vous avez tapoté, on a 3500. 3500K. Waouh. Merci. Non, le sujet était intéressant. Tapotez encore.
En tout cas, la famille, si un S qui te fatigue, que tu sais que sa situation est bonne, tu peux relancer. Hein. Tant que ça va bien finir, tu peux relancer. Il n'y a rien d'ailleurs. Au moins, tu connais son caractère. Pas un niveau là. C'est pas ce qui va venir te montrer. Au moins, tu connais son caractère. Pas le niveau là. Tu sais pas ce qui va venir te montrer. Pas les garçons d'aujourd'hui là, ils ont un autre visage. Hein. Ils viennent, ils sont romantiques, ils sont gentils. Quand ils arrivent à te capturer comme ça là. C'est là qu'il montre les vrais visages. Au moins, est-ce là? Tu sais que lui là, il faisait ça, il faisait pas ça. Tu as bien fait. Oh, moi, il a checké aujourd'hui. Elle fait checker, a checké avec Dorad. Ah, c'est ça, ma belle. C'est ça même. Donc, il y a des S là. Après, ça dépend ce que S là fait. Voilà, les S qui m'ont manqué de respect et tu penses pas à eux. Avant là, franchement, notre époque était jolie. Hein. MK, moi, mon époque là, tu sais pourquoi j'aime mon époque? Garçon, moi j'étais à Yopougon. Garçon, t'es vide. T'es allé manger, poisson braisé. Et puis après, il va te déposer. Il n'y a même pas bisous, il n'y a rien. Tu comprends? Ouais, il va un peu. Hier, on a bouffé, quand on a bouffé là, c'est nous, on a. C'est avant que premier Gaou est venu nous tuer. Quand premier Gaou est sorti là, ils ont commencé à être hier. On dit, il y a un sujet là, il n'a pas parlé de ça ici. Ah bon? C'est quoi le sujet? Tu sais que c'est Maï System qui est venu à premier Gaou et puis il a commencé à hier les gens dans le vrai là. Ouais. Tu vois, il y avait des orgues dans le pays là, tu peux même un poisson braisé bien pimenté. Parce que tout le monde m'a dit que j'ai mal fait. Il dit, ah bon? T'as mal fait, c'est quoi? Je ne sais pas si t'as expliqué ou non, mais on m'a dit, non, tu as mal fait, tu n'as pas fait comme ça. Il dit, ah bon? Tu ne m'as pas parlé de ça. Ah, ma belle, Yablé, avant là, Yablé, avant là, il y avait des vrais gars, hein, t'as mangé. On t'amène à rue Princesse, tu t'as mangé avec le maquis de station, c'est là-bas, paix à son âme. Didier Arafat chantait avec Jonathan. T'as mangé ton le lèvre, s'il vous plaît. T'as mangé ton poisson braisé. Yéli, mange bien. Et puis on s'en te déposer à la maison. Il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Et puis demain, on vient te chercher. Hi! La dernière fois, c'est pas de ça, il parlait ici. Là. Maintenant, c'est gâté. Mettons même un petit porc au fou. On va aller enlever ton caleçon. Non, Abidjan était doux à cette époque-là. Maï System qui a tout gâté. Oui, c'est Maï System qui a tout gâté. Puis quand il est venu à un premier Gaou là, les gens ont commencé à être changés. Maintenant là, quelqu'un s'est amené, tu t'as amené son poc au fou. Le gars là avec un petit déjà. Tu as vu, non? C'est ça la dernière fois qu'il te disait ici, non, que en te disant non que ah, les on peut pas aller dans un rendez-vous ou dire non que en même temps, il faut apprendre à connaître la personne. On peut pas donner en même temps là-bas. Avant on donnait pas, hein, avant. Maintenant là, les hommes là, dès que, en même temps, il veut même aller. Ils vont commencer à te toucher, commencer à te faire des bisous. Premier rendez-vous, le gars va commencer à. Et puis quand tu trouves ça mal, on te dit non que c'est parce que tu n'es pas intéressé. Non, on n'est plus dans ce temps. Il dit quoi? Non, avant là, franchement, je préfère avant là. Après, il est intéressant. Garçon va courir derrière toi pendant 3 mois. Pendant 4 mois, il est derrière toi. À la fin, il gagnerait. Lui-même, il s'en va. Il s'en va. Tu bouffes son argent. Il va venir te dire. Il va jamais te venir te dire. Il faut le rembourser. Rien. Hein? Je me souviens, il y avait un gars là. C'est un Béninois, non? C'était un Béninois à Yopougon là. Il va me prendre les moyens pour le braiser. Quand Philippe me donne 10 000, il rentre chez moi. Il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Il a fait ça pendant un moment. Lui-même, il a vu qu'il n'y a rien. Il a arrêté de venir me voir. Tu vois? Il n'a pas serré mon corps pour dire rembourse mon argent. Oui. Hein? Un 31, me souviens, il y a un Malien qui m'a bien de pied à la tête. Je l'ai mis plein. Les jours là, il a appelé pour dire que je suis malade. Il ne fait pas 31. Je ne suis pas sorti. Le gars là, il n'est pas venu m'attendre devant ma maison pour dire que vous aurez mes amis. Maintenant là, ce n'est pas chic. Hein? Non, maintenant ils ont tout gâté. Il y a eu le gars là, m'a habillé. Chaussure qui était à la mode. C'était Mara Campes. Je me souviens. 15 000, il a payé chaussure. La Mara Campes. Et puis il a payé pantalon bas d'air. Mais je ne suis pas sorti. Maintenant, c'est plus intéressant. J'espère que vous voyez mon plat. Ça, c'est le riz. Non, maintenant, ils ont tout gâté. Hein. La dernière fois, il y a une copine qui m'a appelé. Elle dit, il y a un gars qui me drague là. Il y avait qui n'a qu'à me faire trou. Va t'asseoir, tu me dis ce que tu veux. Quoi? Il y a un gars qui la drague à Abidjan là-bas. Là.
Mmh. Elle, le gars là, en tout cas, deuxième rendez-vous, le gars avait grès. Pourtant, elle n'est pas prête. Maintenant, elle a besoin de quelque chose dans la main. Tiens, elle a besoin de quelque chose dans la main du monsieur, tu vois. Mmh. Moi, j'ai dit, regarde comment ils ont tout gâté le système. Ils ont tout gâté. Moi, je me souviens, un gars qui a payé mon transport pour aller au village. Il m'a donné, c'est un policier, il m'a donné près de 80 000, si je ne mens pas. Il a dit, mais elle paye un mouton. Pourtant, il y avait déjà l'un de mon mouton. Hein. Il m'a donné l'argent. Il a payé mon transport au village. Il revient. Le gars, là, même caleçon, il n'a pas fait. Il n'a rien fait. Non, la trop bouffé là dans son mais à l'air là. Il t'achète petit braquina net. Le gars, là, il veut être là. C'est quelle jeunesse là. Vous avez tout gâté. On mangeait les poulets. Je me souviens. Je suis parti manger poulet dans un coin de Mambo là-bas. Là. Il mange un poulet. Zouka, il fait emporter. Le gars, la paye. Puis il finit. Il te donne transport pour rentrer. Il te met dans Wora Wora quoi, ou bien taxi, ça dépend. Mm-hmm. Et puis, il t'envoie à la et il te dit quand tu arrives, il faut m'appeler. Sans bisous, sans rien. Il fait ça régulièrement. Il peut faire ça 3-4 fois. Des fois, même tu as 4 pointeurs comme ça, tu les places. Et à décembre, ils ont changé là. Voilà. Uh-huh. Tu as 4 pointeurs. Tu les places. Tu dis, ah, vendredi, ça va sortir lui. Vendredi, ça. Tu sais qu'il y a rien ne va ça. C'est passé, tu vois. Imagine, chacun te donne 10 000, dis-moi, chacun te donne 5 000. Ah, c'est ça aussi. Moi, je suis bizarre. Quand moi, je ne suis pas intéressée, je ne demandais pas l'argent. Est-ce que tu demandes? Avant, là, les garçons donnaient transport. Non, non, je ne veux pas de ton rendez-vous même. Je ne veux pas. Ma chérie, tu es à la maison, tu t'ennuies. Tu connais Gode Yopougo? Non, on a Yopougo. Non, on ne connaît pas ça. Ah, nous, les Gode Yopougo. Yopougo. Mais quand je veux, j'étais comme ça. Quand je suis intéressée, je te demande. Il t'a demandé une somme, vraiment, une grosse somme. Ah. Si tu ne veux pas me donner, je te barre. On n'était pas intéressé. Non, non, ça a mangé poisson braisé. Il t'a demandé une somme, vraiment, une somme pas possible. Père à son âme, on était parti à la rue Princesse. Et puis, Didier, là, il a fréquenté dans l'école Terminus 40 qui s'appelait Mitterrand. École Mitterrand. C'est là-bas, ma meilleure amie aussi fréquentait.